Yo tout le monde, c'est Radiax, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur Naval Strike. On est sur Nansha Strike toujours en mode Career Assault. Alors vous allez voir, elle est excellente cette map. Direct, je vais aller au point G. C'est le gros bordel là-bas, il faut tout de suite le prendre. Et ça c'est ce que j'adore, c'est la mer. Ça c'est... ça change pas du début de BF4, voilà, c'est toujours aussi impressionnant et tout, donc voilà. Toujours aussi fan. Bon, j'espère que la partie sera serrée un minimum parce que celle-ci elle est rigolote comme map. C'est pas ma préférée mais elle est marrante. Allez, c'est parti, on y va. On va aller sur F, petit à petit on prend les points. On va commencer à détruire un petit peu le bateau ennemi. Est-ce que je peux passer là? Ah, j'ai presque réussi. Et hop là. Ok, on va y aller à pied, il y a du monde apparemment sur F. Oui. Vous voyez, il y a déjà du... Oh, oh putain, oh putain. On s'est direct fait des... Ah, il est à la WS, ça, autant pour moi. On sait pourquoi il nous a tués tous les deux, sans problème. Non, personne pour me raise. On va y aller à pied du coup. Allez, tu montes. Allez, je vais prendre le bateau. Et me poser. Voilà. On va aller tranquillement sur le point. On va monter tout en haut. De sûr, il y a du monde. Pourquoi se méfier? Il y a peut-être en face. Ouais, il y a un mec en face. Voilà, tiens. Il y a un mec là. Allez, voilà, hop, ça c'est fait. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Il doit y en avoir dans le bâtiment. Je les ai entendus dire, il y a un mec à terre et tout. Hop là. Ok, ils y vont, EDMR. Ça rigole pas. On a capturé le point. Ouf, ok. J'ai vu un mec par là. Ok, je crois qu'il va monter. Je l'entends. Allez, montre-toi. Hop, voilà. Ah, bien joué. Ah punaise, il m'a eu. Ah, faut réussir à le reprendre ce point. Et celui-là il est juste super chaud à couvrir et à prendre, c'est pareil. Les deux en fait c'est très dur à tenir et à prendre. Mais on l'a, je vais quand même y retourner. Ce serait con qu'on se fasse piquer. J'étais où tout à l'heure? Je devais être par là. Je vais être à son endroit. Je vais aller checker en haut. Après, on va changer un petit peu de point. Ah, ok, il y a un mec. Ouais, je crois qu'il y a un mec. Allez, monte. Personne pour l'instant. On va checker le dernier étage, mais. Non, ils sont plus là. Bon, bah, ils sont partis. On va aller du coup choper l'Overcraft et. Et se barrer de là. Allez, c'est parti. Le plus près le point F, on va y aller. Et puis on chopera les autres points après. Hop, par là. Ok, on va aller directement sur le point G en fait. Ouais, non. Allez, on va y aller à pied. C'est plus facile qu'en Overcraft. Fait tirer dessus par un hélico, je crois. Ok. Wouah, chaud! Je me fais mais défoncer. On en a combien? 70% pour l'ennemi? Haha. On commence à prendre l'avantage.
Le point G est chaud parce qu'il y a pas mal de baraques partout et pas mal de petits coins où se planquer. Il est hyper chaud. Moi j'aime pas ce genre de coin. Je vais rejoindre mes potes encore une fois. En espérant qu'ils sont... ouais. Ok. Ah, j'ai pas de chance, 3 fois de suite que je spawn et 3 fois de suite que je me fais tuer direct. Allez. Tiens, il y a du monde sur le point C. On va y retourner. Ah bah non, c'est pas le même. C'était le point G tout à l'heure. Non, tu fais pas de kit de soins. Bon, tant pis pour toi. Ah. Toi. Tu joues pas au DMR. Hein. Voilà. On va choper l'Overcraft, comme d'hab. Ouais, tant pis. Hein. Ils iront à la nage s'il faut. Ah, il y a du monde par là, apparemment. Ah non, peut-être plus à gauche. Je me fais canarder par l'hélico. Ah, c'est la C-130. Ah, merde. Ah, c'est encore plus chaud, là. Ah. Ah, il loupe ses coups, mais pas de beaucoup, hein. C'est pas loin de mes fesses, quand même. C'est chaud, il nous canarde. Allez, voilà, c'est bon. Coup de défi qui veut pas passer, des fois. Ils sont peut-être en haut, ils sont en haut. Alors je suis jamais allé dans la prison, je vais essayer d'y aller. Oh. En fait c'est pas une prison. Ah ok, c'est juste un petit passage. Ah d'accord. Sympa. Punaise, eh. Ah non, c'était un allié. Tiens, je te raise. Tu m'as fait peur toi aussi. Oh, c'est quoi ce bug de vague? Ok. Ah d'accord, ok. Bah, c'est la première fois que je le prends et... Donc maintenant je sais ce que c'est. Bon à savoir. On va peut-être essayer de reprendre le point F. C'est quel point d'ailleurs qui parle de... Alors ça c'est le truc à véhicule. C'est le point D avec les C-130. Donc c'est le point D le plus important. Ah ouais. Rien plus... Ah ok, c'est le sniper qui m'a eu. Ah, fichu sniper. Alors, essayer de prendre le point F, mais toujours couvrir le point A. Le point E, il va se faire attaquer. Et je vais aller sur le point E en premier du coup. Ok. Attendez pas à ça. Ah oui, ils sont tous sur le point. Ok. On est toujours devant au niveau des porte-avions. Je vais essayer peut-être d'attaquer. Histoire de faire un peu bouger les troupes. Et le point D, est-ce qu'on l'a encore? Ouais, on a toujours le point D, ça c'est impeccable. Ça ne nous empêche pas de nous faire défoncer par un pauvre hélico. Et le commander, allez, balance un AC-130 s'il te plaît, on en a besoin. Impeccable. Je rejoins mes potes. Je me fous toujours au même endroit là, ici. C'est juste idéal niveau planque. Ouais, les bateaux sont toujours les mêmes, hein. Le porte-avions c'est toujours le même, quelle que soit la map, ça je le précise. Et quel que soit le camp aussi. Ouais, bah c'est bon, impeccable. Voilà, qui est fait. On va aller directement aussi en bas. On va attendre que les portes s'ouvrent, mais on va attaquer par en bas. C'est quand même bien ça qu'on puisse attaquer depuis l'intérieur, comme ça, c'est... C'est bien pensé. Passer par derrière, on a pas mal d'entrées en fait, hein, dans le porte-avions, ça c'est clair.
On est encore en train de gagner. Alors le point B juste là. Hop là. Allez, ça c'est fait, pleine tête. Tiens, ouf là. Et... ouf. Ah ouais, d'accord. Ils sont bien en train de couvrir là, ils couvrent bien. Ils couvrent très très bien. On a posé. J'espère que j'ai des potes là dans le... dans la C-130, non. Bon, du coup on va aller... spawner chez notre allié. Ouh l'hélico, ouh l'hélico. C'est bien joué de sa part. Bon bah je crois que la partie est quasiment terminée hein. Et que donc ça va conclure cette vidéo. Oh, ils ont désamorcé le point B. Ils ont osé. Vous croyez? Allez, on va le reposer. Tiens, mange ça. Faut pas sortir. T'es en défense mec. Contente-toi du point B. Hein? Ah ok, ils étaient au milieu. J'ai cru un moment qu'on m'avait attaqué par derrière. Chinois, ouais, que je voyais plus, je me rappelle jamais en fait. Quelle équipe je suis, je vais... essayer d'aller avec... avec ça, je vais passer à l'intérieur du bateau. Directement aller derrière. Ah, mince, c'est de l'autre côté. Allez. Il y a des grosses vagues hein, ici, je me rappelle plus que c'était comme ça. Hop, écrasé. Allez, on y va. Bateau volant. Hop là. Oh punaise. Ils le savent qu'on peut passer par là, ils nous attendent tous. Ah la galère. Il faudrait un limite un... un bateau d'attaque dedans. Oh bourrine. Je sais pas si ça a apporté ses fruits mais oh bourrine. Il y a un sniper par là. Allez. Allez. Ah j'ai cru. Ouais, je vais me barrer. On va attaquer direct dedans comme ça. Il reste 16% de santé. On a peut-être une chance d'attaquer le point B quand même. Mon pote il a pas dû comprendre, il a spawné sur le bateau, il s'est retrouvé de l'autre côté. Bon allez. C'est le bordel, c'est un bordel monstrueux quoi. On s'en fiche de l'objectif golf, on en a plus besoin. Allez, on le pose celui-là, faut le poser. Allez. Excellent cette fin de game. Excellente. Ah moi je m'éclate comme un fou là. Je fais un score de merde mais c'est pas grave. Tiens, prends un kit de soins. Ça ne peut que t'être utile mec. Hop tiens, prends cette tête. J'ai vu quelqu'un. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Tiens, prends ça. Allez, 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 allez. Allez les gars, on rentre. Passer là. Hop, un kill là. Est-ce qu'il y a des mecs là? J'en sais rien du tout. Sincèrement, je comprends rien du tout. On l'a posé. Ah, on l'a posé, ok. Allez les gars, pas le moment de dormir. On se réveille.
Je me fais saucer là. Je ne sais où. Ouais. On l'a eu. À 2% de vie. On l'a eu ce foutu bateau. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo là. Tout à l'heure vous allez voir. Opération Mortar, puis après Wavebreaker, la map que je préfère, hein, presque. Voilà, de Battlefield 4 Naval Strike. Excellent DLC encore une fois, je le répète, et bah voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour voir un peu ce que donne, disons, le mode de jeu plus en détail. Et puis pour voir les maps surtout, voilà. Allez, je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos de test, pour d'autres vidéos, pour d'autres sessions de jeu, un peu comme ça. Et en attendant, je vous bien aux jeux vidéo et à la prochaine. Ciao !